Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vous apprends à faire une sauce qui est acide et sucrée à la fois, qui se fait avec tamarin. Les ingrédients en quantité, les quantités seront en barre d'infos, pardon. Donc il vous faudra le sucre, le sel, le piment rouge en poudre, le tamarin qui est avec les noyaux. Donc je vous montre le sachet, vous pouvez trouver ça très très facilement dans les magasins asiatiques. Donc je vous montre le tasse, c'est avec cette tasse-là que j'ai mis l'eau dans le petit poêle. Alors il y a pas, j'ai pas allumé encore le feu, j'ai mis en fait le tamarin dans l'eau directement et j'ai cassé en fait et j'utilise bien sûr les mains. Ils sont toujours été lavés par avant. Dans mes vidéos, j'ai fait bien laver mes mains avant de les utiliser comme ça, publiquement. Donc voilà, vous les écrasez comme ça vous facilitera pour la préparation. Et là, j'ai allumé le feu et on va mettre que le temps qu'il commence à bouillir. Mais entre-temps, on ajoute bien sûr le sucre, le sel et le piment rouge et on va laisser que on va la laisser cuire tout simplement. Quand il commence à bouillonner comme ça, ben en fait vous voyez là, il est le sauce il est très très liquide, donc il faudra mettre à feu normal pendant 10 à 15 minutes et on va attendre que l'aspect de la sauce vienne plus épais que celle-ci. Donc je vais vous montrer de toute façon. Donc après 15 minutes, l'aspect que vous allez retrouver, en fait, vous voyez aussi la quantité, elle est vraiment réduite. Donc le sauce, il est vraiment très épais. Vous allez prendre un passoir en poignée. Vous allez verser en fait la sauce. Et vous allez juste récupérer la sauce sans la peau de tamarin et les noyaux, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà l'aspect de la sauce. Vous mettez dans un boîte à conserver dans le frigo. En premier temps, vous laissez refroidir et quand il est froid, vous placez dans le frigo et vous pouvez garder pendant un mois et demi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous!